Salut à toi, Skylander. Il paraît qu'il se passe quelque chose à l'académie et j'allais justement m'y rendre. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi pour voir de quoi il s'agit? Prêt pour une aventure décoiffante sur le circuit des Skylanders? Hey, Crash Bandicoot, pourquoi es-tu en train de danser? La fête de la synchronisation se déroule de l'autre côté de l'île. Enfin! Après 20 ans de réflexion, de préparation et de machination, le moment que j'attendais tant est arrivé. Les énergies rythmiques insondables des îles Wumpa elles-mêmes vont alimenter ma chambre matricielle et créer une armée de sbires aussi loyaux qu'abattables. Et cette fois, aucun de mes maudits hommes de main ne sera là pour tout gâcher. Nom d'une crêpe flambée! Qu'est-ce que c'est que tout ce rout? Je ne sais pas, mais je n'aime pas l'attitude de ce machin. Odabaga! Ces mauvaises ondes risquent bien de désintégrer toute l'île si tu ne les dissipes pas. Nom d'un Big Bang, c'était une sacrée explosion, carrément dissonante. Je crois que cette horrible machine a sauté et perturbé les ondes rythmiques à certains endroits de l'île. Crash, je suis sûr que tout ceci est la faute de Néocortex. Tu dois l'empêcher de déranger la fête de la synchronisation, sinon il faudra attendre 20 ans avant que tout le monde nous entende à nouveau. De la vie sont plus forts ici. Bouga bouga! Il faut rétablir l'équilibre musical de l'île avant qu'il ne soit trop tard. Les sensei sont plus forts ici. Voilà, Crash.
J'ai quelques nouvelles. Ton ami Spyro a exploré les îles pour trouver d'où peuvent venir les poches de mauvaises ondes. Il a une théorie étrange pour expliquer l'explosion à l'origine du désastre. Retrouve-le dans le village plus loin et fais attention aux mauvaises ondes. Elles se répandent. Les Skylanders de la Terre sont plus forts ici. Ce n'est pas passé loin. Allez, viens par ici. Les Skylanders de l'eau sont plus forts ici. Je deviens de plus en plus intelligent. Hein? T'as vu un autre bandicoot? Je n'étais pas Crash? Aucun doute. J'ai vu ce type en haut de la montagne. Il dansait dans une espèce de costume de robot géant, et mal en plus. Il a si peu de rythme que les îles pullulent de mauvaises ondes. Alors, c'est plus bizarre qu'une boule de billard. Mais ça doit vouloir dire que tout n'est peut-être pas la faute de Cortex. J'imagine que tu n'en sais pas plus que moi, Cortex. Le lutin Sensei jusqu'au gong. Combine les fragments pour gagner un coffre d'imaginite. L'eau éteint le feu. Jambes. Pièces d'ensemble trouvées.
Ce que je ne comprends pas, c'est le rôle que joue cette autre Bandicoot dans tes plans, Cortex. Qu'est-ce que tu as encore imaginé? Oula, attends! Oh, les sons horribles qui viennent de la montagne ont totalement déréglé le rythme des broyeurs. À cause de toi, Cortex, il est impossible de réparer les broyeurs sans leur donner le bon rythme. Il faut que tu retrouves ma compilation Funky Wampa. Elle est dans une des caisses, en bas. Ma compilation! Préparez-vous à retrouver le rythme, les broyeurs! C'est l'heure de danser! Ce système de sécurité a été conçu pour repousser les bonshommes à grosse tête dans ton genre, Cortex. Pour le moment, il a réussi à protéger le village. Tellement bien, d'ailleurs, que... On ne sait plus comment ça s'arrête. Désolé, bon courage! Les Skylanders du feu sont plus forts ici. Les Skylanders de l'air sont plus forts ici. Hé, Cortex, viens voir par là. C'est l'entrée de notre course pimentée annuelle. C'est une course d'obstacles mortels que seul Crash peut déverrouiller. Je sais qu'il est très important de s'assurer que tout aille bien pour la fête de la synchronisation. Mais on ne peut pas rater ça. Si tu vois Crash, envoie-le nous, d'accord? Seul Crash Bandicoot peut déverrouiller cette zone. Bienvenue à la course pimentée. Je l'ai faite rien que pour toi. Oh, j'ai tellement hâte que tu t'y essayes. Bien, n'oublie pas, plus tu collectes de caisses, plus la récompense sera belle. Tant que tu ne te fais pas écraser. Je dois dire que j'ai conduit de nombreux essais au préalable, mais tous mes cobayes ont fini écrasés par la gigantesque boule de bowling, donc... Excitant, ça va être super. Tu vas être super. Tu es le meilleur ramasseur de caisses du monde. Je suis ton plus grand fan. Ah!
avait. Maîtriser la course pimentée. J'étais sûr que tu survivrais. Hey Cortex, viens par ici. Figure-toi qu'il y a une armée de Tesbires qui arrive par ici. Entre les mauvaises ondes des îles et l'autre bandicoot qui déclenche des catastrophes partout, on commence à en avoir assez de tous les problèmes que tu causes. Tu comprends ou non? Alors tu vas entrer dans ce téléporteur immédiatement et tu vas réparer tout ça. Défier la puissance de notre compagnie, tu t'exposes à la colère du puissant Ouka Ouka. We'll be right back.
impossible. Halte ! Que faut-il faire pour t'arrêter ? Tu n'iras pas plus loin. T'es bien débrouillé, Skylander. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, pour sûr. Merci d'avoir arrêté cette catastrophe. Remettons-nous au travail. Excellent. Les Skylanders de la lumière sont plus forts ici. Ah!
Les Skylanders des ténèbres sont plus forts ici. La salle de danse pour la fête de la synchronisation n'est pas très... Huit jambes n'est pas tendre. Les Imaginators sont plus forts ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Aide-moi, Skylander! Viens par ici. Mon ami essaie de revitaliser les rythmes Wumpa. Trop de mauvais tempo et ils s'endorment. Utilise tes pouvoirs pour les réveiller ou saute-leur dessus. D'ensemble trouvé. Même pas eu besoin d'une carte. Seul Néocortex peut déverrouiller cette zone. Let's
Paul, salut. Alors, Spirou veut que je dise à Cortex qu'il doit sauter dans son téléporteur Fissa parce que d'autres sbires sont en approche. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est toi, Cortex? C'est sûrement toi. Bien, alors, apparemment, c'est très important de s'occuper de ces sbires. Tu n'as aucune chance contre des forces si supérieures. Impossible! Alpha! Tu étais un si grand guerrier. Il faut que je me prépare au prochain combat. Bien joué. Maintenant, on doit pouvoir reprendre notre fête. Allez! De notre compagnie, tu t'exposes à la colère du puissant Ouka Ouka. Non, c'est impossible. Halte.
Tu t'es bien débrouillé, Skylander. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, pour sûr. Bien joué. Maintenant, on doit pouvoir reprendre notre fête. Nouvelle arme de sorcier. Ça perd les popettes. Le fond crache. Par tous les fruits, Wumpa, ce n'est pas passé loin. Waouh, ça c'est un ghetto blaster déréglé. Ne t'en fais pas. Je peux m'occuper des réparations pendant que tu t'occupes de la bagarre. Faux crash. Gardez la tête froide. Le pouvoir du Sensei.
place au manchot. Découpe glacée. On dirait que le faux Crash n'a même pas appris les pas. La piste est à toi. Niveau terminé. Qu'est-ce que vous avez fait à ma belle machine? C'est extra, non? Je l'ai réparé pour toi. Et regarde ça. À plus tard, superstar. Royaume Sensei du Feu découvert. Regarde-moi ça, Skylander. Cette chambre d'Imaginite est un vrai filon de coffre d'Imaginite. Il y en a... Royaume Sensei de la Terre découverte. Royaume Sensei de la Terre.
Un Skylander. Que les grands calamars des sables soient loués. Nous avons exhumé une horreur maléfique indicible dans les mines et libéré plein de monstres horribles. Tu n'aurais pas envie de descendre là-dedans et de les éradiquer pour nous sauver, dis-moi. Je te laisserai même utiliser ma meilleure pioche pour creuser. Et si jamais tu tombes sur mon copain Pierrot, dis-lui bonjour de ma part. À genoux devant votre reine. C'est Diggle qui t'envoie pour m'aider? Oh, c'est vraiment un bon ami. J'aurais bien besoin d'un coup de main pour activer ce soufflet. Saute une ou trois fois pour activer le bazar. Ensuite, croise les doigts pour que ça ne provoque pas une autre catastrophe. Enfin, croise les doigts d'abord si tu préfères. Alors, je ne sais plus pourquoi je voulais activer ces soufflets, mais ça a ouvert une nouvelle zone dans cette mine. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Mais n'oublie pas les monstres dans la chambre principale. Skylander. Après avoir exhumé les monstres, j'ai relevé le pont pour qu'ils ne puissent pas sortir de la chambre. Pour le baisser de nouveau, tu dois briser ces supports en bois. Pour ce faire, tu vas devoir casser ces rochers et trouver des gemmes à pousser sur la charpente. Je reconnais que c'est plutôt farfelu. Quand tous les supports seront détruits, tu auras abaissé l'un des ponts mobiles au mode de fonctionnement le plus bizarre de l'histoire.
C'est merveilleux. Tu as réussi. Tu as battu tous ces monstres et tu nous as sauvés. La chose à faire, bien sûr, ce serait de t'offrir une récompense. Merci de m'avoir aidé, Skylander. Tu ne peux pas imaginer à quel point je l'apprécie. Pour l'instant, tu n'as plus rien à obtenir ici, mais reviens quand tu veux, au cas où il y aurait des trésors cachés que tu aurais manqué la première fois que tu as exploré le coin. Allez, à la revoyure! À genoux devant la reine! Et merci pour l'expérience! Nouvelle aura. Nouvelle arme de cogneur. Wouhou! Niveau terminé. Nouvelle armure de tête. Nouvelle arme de cogneur. Nouvelle arme de cogneur. Nouveau bras. Pièce d'ensemble trouvée. Nouvelle jambe. Pièce d'ensemble trouvée. Nouveau torse. Pièce d'ensemble trouvée. Nouvelle tête. Ensemble terminé. Nouveau bras. Nouvelles oreilles. Nouveau sac à dos. Nouvelle armure de tête. Nouvelle armure de bras. Ensemble terminé. Nouvelle tête. Nouvelle armure d'épaule. Ensemble terminé. Nouvelle queue. Nouvelle armure de tête. Pièce d'ensemble trouvée. Nouvelle tête. Nouveau style de voix. Comment ça va? Nouvelle arme de cogneur.